Si ceux qui ont réussi à retrouver le chemin du direct peuvent prévenir ceux qui sont restés coincés sur l'ancien direct, je suis preneur. À condition que vous m'entendiez correctement. Donc, je pense qu'il y en a qui ont dû rester coincés sur l'autre page. Quand je reset un flux, j'ai pas le choix, c'est pas moi qui contrôle les URL. Du coup, ça doit changer peut-être d'URL. Donc, s'il est possible d'aller mettre un petit message sur l'ancien flux pour ramener tout le monde sur ce bon lien, à savoir celui sur lequel vous regardez actuellement. J'ai plus accès à l'ancien, moi, du coup. Voir si je peux récupérer l'ancien du coup. Ouais, mais ça m'étonne pas que le chat soit désactivé dans l'ancien du coup. J'espère que les gens vont arriver hein, jusque-là. Mais je peux pas faire mieux. Je vais essayer de voir si je peux supprimer l'ancien pour vraiment les forcer à venir dans le coin. Mais hop. Alors, 7h01 2020. Donc, j'ai essayé de la dégager histoire que du coup histoire que du coup les gens reviennent. C'est pas très pratique. C'est pas très pratique, mais pas le choix. C'est ma faute quand je fais une fausse manip. Oui, mais il faut penser à aller sur ma page d'accueil du coup. Et bon, depuis 3 semaines qu'on est en confinement, j'ai pu tout le loisir hein, de remarquer que penser et internet, ça va pas tout à fait ensemble. Hein. Quand vous êtes sur le net. Le cerveau est parfois automatiquement passé en mode off. Surtout que j'ai dit que je revenais, donc. Mais je peux pas revenir sur la même adresse. Je vois que le nombre de personnes connectées arrive. Ah bah, bien joué, Jérémy. Je vois que ça revient petit à petit, donc je suppose qu'on a récupéré à peu près tout le monde. Ok, et puis du coup je vais démarrer hein, en espérant que les autres raccrochent le wagon. On a causé puis on doublé hein, essentiellement les 2 derniers cours. Je vais vous parler aujourd'hui d'une autre faiblesse de pion, mais qui est un peu plus subtile. Un grand thème classique, je vais vous parler de pion isolé. Et je vais diviser mon cours en 2 parties, comme pour les pions doublés. Je vais vous montrer comment jouer avec le pion isolé, et je vais vous montrer comment jouer contre. Je vais juste changer mon sens de cours. Je vais d'abord vous montrer comment jouer avec le pion isolé. Parce que si le pion isolé, c'est une faiblesse dans la structure, ça, je peux pas vous l'enlever, c'est vrai. C'est véritablement quelque chose de faible dans la structure. Il y a énormément d'avantages à avoir un pion isolé. Et donc je préfère commencer par vous montrer les avantages de jouer avec un pion isolé. Donc ça va être un cours un petit peu plus tactique que les cours précédents. On va essayer d'y aller tranquillement, de pas forcément se lancer dans des grandes variantes ou rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Mais c'est sûr que vous allez avoir un petit peu plus de calcul, un petit peu plus de variantes que ce que je fais d'habitude dans ce groupe-là. Alors, vous avez sous les yeux une position de pion isolé. Définition d'un pion isolé, c'est un pion qui a simplement pas de copain sur les colonnes à côté. Hein. C'est-à-dire que le pion D4 ici est défini comme isolé parce qu'il n'y a pas de pion C ni de pion E blanc. C'est un pion tout seul. Ça, c'est hyper facile à comprendre normalement. Les avantages d'avoir un pion isolé, bah là on parle de pion isolé, on va souvent parler du pion D4. Et la plupart de mes exemples ici parlent du pion D4, qui du coup apporte dans cette situation-là.
un soutien pour les blancs au centre. Si vous prenez les 4 cases du centre, le pion D4, c'est un pion du centre. Donc oui, il est isolé, mais du coup, il est aussi positif comme pion, parce que soutien au centre. Le même pion isolé, si c'est un pion B2 que vous avez isolé, bon bah tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça ne fonctionnera pas. Ah, donc faut bien comprendre que c'est situationnel ce que je vais montrer. Ça fonctionne dans le cas d'un pion du centre, et particulièrement d'un pion D, pour être tout à fait concret. Quand vous avez un pion isolé, du coup, vous allez avoir un meilleur contrôle du centre que l'adversaire. C'est le cas ici, vous avez une structure D4 contre E6. Ça occasionne deux choses, essentiellement. Première chose, bah, il y a des pièces qui sont gênées chez celui qui ne contrôle pas assez le centre, et pas chez celui qui contrôle correctement le centre. Si vous regardez cette position-là, j'ai absolument aucun problème pour trouver des endroits à vous faire jouer le fou C1, le fou D3, etc., etc. Si vous prenez la position noire, par exemple, bah, il y a une pièce qui est au moins un des problèmes, c'est le fou C8. Alors on peut tout à fait envisager de résoudre ces problèmes avec quelque chose comme ça, mais du coup on gênerait le cavalier C6, qui lui va devoir bouger. En fait, c'est très lié à la problématique d'espace. Hein. Si je vous fais un résumé grossier, le fait d'avoir un appui au centre pour les blancs et pas pour les noirs, ça donne que les blancs jouent sur 4 rangées, les noirs ne jouent que sur 3. Et le no man's land, l'endroit où on va se fighter, combattre, ben, c'est sur la cinquième, qui normalement devrait faire partie du camp des noirs. Donc c'est normal qu'avec les noirs, j'ai des petits soucis pour sortir mes pièces. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en plus de ça, eh bien, il y a certains types de pièces, et là je vais parler des pièces mineures, qui sont extrêmement contentes d'avoir le pion en D4. Et par certains types de pièces, on va essentiellement penser au cavalier ici. Toujours cette même pièce hein, qui nous embête, qui a besoin d'une case stable. Et les cavaliers ayant besoin de case stable, c'est-à-dire proche du centre, protégé par un pion, bah ici, le pion D4 offre une superbe case en E5 pour les cavaliers blancs. Avec les noirs, on a une case intéressante aussi. On a une case forte en D5. Chaque fois qu'il y a un pion isolé, vous avez forcément une case forte en face du pion. Mais c'est plus compliqué de réussir à mettre ses cavaliers dessus et c'est moins clair que ce soit utile. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a des meilleures pièces avec les blancs et des difficultés pour sortir ces pièces pour les rendre actives chez les noirs. Ça, c'est un avantage qui malheureusement n'est pas durable. C'est-à-dire que cet avantage-là, plus on va avancer dans la partie, moins il va se voir. Si vous faites des coups pour rien, vous laissez 3-4 coups au noir, bah je vais réussir au bout d'un moment à vous trouver un moyen de sortir mes pièces. Hein, imaginez que je fasse des coups mous du genou, genre H3 dans cette position, que je joue, je sais pas, je vais jouer fou E3 parce qu'il faut sortir ses pièces, que je joue tour C1, je joue A3, et puis on arrive à ça par exemple, ou même on peut aller plus loin, j'aurais dû prendre le fou, ce sera plus malin de prendre le fou. Ah, si vous regardez cette position-là maintenant, j'ai vachement moins de problèmes avec les noirs. J'ai vachement moins de problèmes parce que ben, l'ensemble de mes pièces a l'air correctement placé. Je vous accorde que le fou E7 est pas terrible, mais le fou B7 et le cavalier F6 ont l'air hyper bien placés. J'ai aucun problème pour envisager comment développer mes pièces lourdes. Ici, il n'y a aucun problème dans la position blanche, ni dans la position noire. Si je prends la position de départ, du coup, ben, la position de départ, c'est pas si facile que ça de voir ce qu'on fait de la tour F8 par exemple. Si je vous demande de développer la tour F8, c'est pas évident, comme le fou C8. Donc l'avantage des blancs, il n'est pas durable, il est passager. Ce qui veut dire que dans les plans qu'on va avoir avec le pion isolé, il va falloir se dépêcher. Entreprendre des choses rapidement. Vous allez avoir deux plans principaux dans les positions de pion isolé. Le premier plan va vous être illustré par la position qui est ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va utiliser notre prépondérance centrale, le fait que nos pièces puissent passer au milieu, pour amener tout le monde sur le roi adverse. C'est-à-dire que votre premier plan quand vous avez un pion isolé, il est bête, basique, méchant, c'est mater. Alors je vais vous montrer un petit peu comment, il y a des manœuvres hein, qui sont intéressantes à connaître, à comprendre dans ces positions-là, mais c'est pas très compliqué. Alors, on est parti pour l'exemple ici avec les blancs. Première chose à repérer, il y a un peu de tactique pour démarrer, hein, le pion D4 n'est pas en prise. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de défendre le pion D4, même s'il a attaqué deux fois et défendu qu'une fois. Parce que si jamais vous vous amusez à prendre avec les noirs, à la toute fin, il y aurait fou prend H7 échec, qui gagnerait la dame. Si je vous joue un coup neutre, dans cette position, prendre le pion D4 ne fonctionne pas, parce qu'à la fin, on est bien d'accord, je gagne la dame noire.
Donc avec les blancs, je n'ai pas besoin de défendre ce pion D4. En tout cas, pas tout de suite. Les blancs ici ont choisi de jouer fou G5. Dans cette position-là. Alors fou G5, c'est relativement facile à comprendre. On développe son fou, et puis on va poser la question au cavalier F6, qui est la pièce qui défend le roi en G8. C'est-à-dire qu'on est prêt à supprimer le défenseur du roi en G8. Sur fou G5, les noirs ici ont joué cavalier B4, qui n'est pas terrible. Alors on peut comprendre l'idée, on essaie de se débarrasser du fou en D3, qui est un fou qui vise quand même sacrément H7. Et puis on a également un petit contrôle de la case forte, de la case en D5, ça paraît pas idiot dans le principe. Le problème majeur du coup cavalier B4, c'est que vous n'améliorez pas le problème immédiat de votre position, à savoir le fait que vos pièces ne jouent pas. Cavalier B4, ça n'aide en rien les noirs à faire jouer leurs pièces. Il aurait fallu jouer plutôt B6 dans cette position-là, pour développer très rapidement le fou C8. Ok, il y a eu cavalier B4. Avec les blancs, on va simplement jouer fou B1. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme coup, de positionner ce fou en B1 ici, et en quelque sorte de bloquer les pièces, mais il est très important avec les blancs de conserver le fou en B1, si on veut espérer mater le roi noir. Et c'est également important de ne pas échanger trop de pièces. On verra ça un petit peu plus tard. Sur fou B1, les noirs sont extrêmement contents d'avoir obtenu cette position et ont joué B6. Donc on se prépare à mettre le fou en B7. Pour l'instant, tout va bien côté noir. Et les blancs ont continué avec cavalier E5. C'est pareil, ça c'est un grand classique. C'est que le départ du cavalier C6, il a laissé libre pour le cavalier blanc la case E5. Donc que font les pièces blanches? Pour l'instant, elles s'installent au centre. Les noirs continuent avec fou B7. Bon, j'accélère un peu, mais c'était leur plan au départ. Et les blancs ici vont jouer un coup très important, un coup très caractéristique des positions de pion isolé. C'est le coup tour E3. Alors, cette manœuvre de tour, alors, porte un nom en anglais, ça s'appelle le rook lift. Je ne sais pas comment vous traduire ça, le glissement de tour si vous voulez. J'ai malheureusement pas de très bons termes en français, donc vous allez m'entendre des fois abuser de l'anglicisme en parlant de rook lift. C'est ce qui se passe quand votre tour monte sur une rangée, la troisième, plus rarement la quatrième, et qu'elle va se déplacer de manière horizontale, de manière à traverser l'échiquier. Donc là, l'idée de tour E3, évidemment, c'est d'aller en G3, en H3, pour participer à l'attaque sur le roi noir. Et ça, c'est rendu possible grâce au pion D4. Si je vous demande de faire la même chose avec les tours noirs, c'est impossible. Comme vous n'avez pas de bon contrôle au centre, il n'y a aucun moyen, par exemple, pour les tours noirs, de venir défendre par la sixième. Donc ça, c'est la première manœuvre typique du pion isolé. Donc les blancs, encore une fois, font pas dans la dentelle, hein. C'est-à-dire que tour E3, très clairement, l'idée, c'est tour H3 ou tour G3 pour aller mater. Les noirs, face à ça, anticipent un petit peu le coup tour H3 et décident de défendre préventivement avec G6. Alors ça peut vous paraître pas un coup très malin. Vous n'avez pas tout à fait le choix. Je peux vous forcer à faire G6 comme je veux. Imaginons, j'en sais rien, mais vous jouiez un coup comme tour C8, par exemple dans cette position, au lieu de G6. Le coup tour H3, il va menacer dans cette position de jouer fou prend F6 et fou prend H7. Et vous allez bien devoir défendre le pion H7. Alors les petits malins qui veulent jouer par exemple H6 ici, vous allez vous exposer à quelque chose de bien tactique. Donc je suis désolé pour la séquence que je vais montrer, qui va vous faire mal au crâne, mais qui va être habituelle dans les positions de pion isolé. Puisque mon plan c'est d'amener mes pièces et que j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq potentiellement qui tournent autour du roi, vous allez avoir ce type de sacrifice, qui sont des sacrifices un petit peu compliqués, mais qui ont pour but, la plupart du temps, d'aller mater. Et ici, il n'y a pas trop de problème, je pense que dame D2, ça mate sans trop de problème dans cette position. Alors c'est difficile, ces sacrifices pardon, sont toujours difficiles à évaluer, parce que ce ne sont pas des sacrifices directs. Quand vous sacrifiez en H6, c'est jamais pour un gros gain. Dans le sens où vous allez récupérer votre matériel ou mater tout de suite. Les sacrifices en H6, ce sont souvent des sacrifices qui ont lieu pour affaiblir durablement la position du roi noir. En fait, vous affaiblissez le roi. Alors c'est les mêmes sacrifices qui ont lieu en G7 d'ailleurs. Parce que là j'ai pris en H6, mais ça revient à supprimer le pion G. Donc enlever le pion G devant le roi, ce sont des sacrifices toujours très compliqués à évaluer parce qu'il n'y a rien de concret généralement derrière. C'est évaluer est-ce que j'ai assez de pièces
qui vont venir à l'attaque ou pas. Bon, là, l'exemple que je vous mets, il est assez simpliste, parce qu'il n'y a pas moyen de défendre le pion H6 avec les noirs. Bah, vous pouvez jouer Kay G4, mais je reprends ma pièce, et puis bah du coup, j'ai plus de pièces en moins, quoi. Sans donner de pièces, il n'y a aucun moyen de défendre le pion H6, donc je vais jouer Dame prend H6 au prochain coup, et normalement, j'ai pas besoin de trop vous convaincre, avec une Dame en H6 et une Tour en H3, je vais trouver tout un tas de mats. Hein. Il y a le mat avec Dame H8, il y a le mat avec Tour G3 et Dame G7, n'oubliez pas le fou non plus, hein, qui peut permettre de mater parfois H7, etc. Donc on ne peut pas, dans cette position, se passer de G6. Le fait que les noirs aient commencé par jouer G6, c'est juste que les noirs ont anticipé ces problèmes-là. Je ne vous ai pas dit qui jouait contre qui, mais il s'agit de Keane, qui est un grand maître Raymond Keane américain. Et avec les noirs, il s'agit d'Anthony Miles, un grand maître anglais, plus connu sous le nom de Tony Miles. Donc les noirs ont joué G6 dans cette position, et rendant par la même occasion bah, caduque l'arrivée de la tour en H3. Donc les blancs ont choisi tour G3. Alors je ne vous donne pas la raison de pourquoi tour G3, moi ça me paraît évident, mais peut-être pas pour vous. Et les noirs dans cette position bah, considèrent que ça va à peu près, et ont joué tour C8. Donc avec les noirs, il y a très peu de fautes en fait. La seule faute que je peux imputer aux noirs, c'est ce cavalier B4 un petit peu tôt, et sinon la plupart des coups sont logiques. Eh bien malheureusement, dans cette position, les noirs sont foutus. Les blancs ont une attaque gagnante à l'aile roi. Alors, dans ce groupe-là, je vais vous enlever la plupart des petites difficultés tactiques. Je vais vous les montrer. Je vais vous prétendre que ce sont des coups normaux. C'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que les deux prochains coups des blancs que je vais vous donner, ce sont des coups qui permettent d'atteindre la position qui va m'intéresser, mais qui sont importants pour la partie la plus haute en elo du groupe. J'aurais pu vous donner cet exercice-là à chercher. Mais il est assez difficile, du coup. Donc les blancs commencent par fou H6, qui est un coup extrêmement important qui va gagner du temps sur la tour en F8. Les noirs ne donnent pas la tour F8 et jouent donc tour E8. Deuxième coup extrêmement important, c'est le coup A3. Il faut chasser ce cavalier de B4. Et les noirs ici décident de jouer Kay C6. Et voilà la position qui m'intéresse. Donc trait dans cette position au blanc. On vous demande d'attaquer le roi noir. C'est ce genre de coup qu'il va falloir regarder en permanence quand vous avez un pion isolé. Donc je vous laisse vous faire plaisir, calculer et me proposer des choses dans le chat. Alors Erwan, Speedy Gonzales, Lucky Luke, t'as pas besoin de moi, je pense, pour te rendre compte que Dame C2 n'est pas une bonne idée. L'erreur que tu as faite, c'est simplement de me prendre pour un gros pigeon et de considérer que je ne pouvais rien jouer après ton coup. Alors la position est concrète, hein. C'est-à-dire qu'après cavalier C6, vous avez une menace, hein. Donc il va falloir me proposer un petit peu plus qu'un seul coup dans cette position-là. Ensuite, si je vous dis que c'est à vous de jouer et que c'est concret, ça veut dire que je considère que vous pouvez trouver. Donc je n'ai pas demandé de trouver fou H6 et A3. Là, très clairement, c'est violent ce que je veux, hein. Je considère que vous pouvez calculer tout seul cette idée-là, autour du roi noir. Hein. C'est sur le roi noir qu'il faut aller, donc allez me chercher le roi noir. Ça ne peut pas être H4, ça ne peut pas être Dame C2. Ça, ce sont des coups beaucoup trop bons. Qui en plus échouent tous les deux sur à peu près la même chose, à savoir cavalier prend D4.
Alors, t'es autour d'une bonne idée, Erwan, mais pour l'instant, dans ce que tu m'as proposé, t'as balancé deux pièces, et ça se conclut par je ramène madame et je mate. Va falloir être un peu plus précis que ça. Jérémy, c'est mieux, mais c'est faux. Et je te dirai pas pourquoi. Mais c'est la même erreur qu'Erwan tout à l'heure, c'est-à-dire que tu arrêtes ton calcul très au noir en considérant que les noirs n'ont pas d'option. Alors que il y a une option. Donc vous êtes sur des sacrifices en G6, on est d'accord. Pour l'instant, je peux rien dire de ce qu'a mis le roi avec. Alors j'espère qu'elle a pas tapé tout son truc et qu'elle s'en rende compte qu'il y avait une limite dans les commentaires et qu'elle s'est fait squeezer toute la suite. Je sens que ça peut être ça. Donc ça va se passer en G6, on est d'accord. Mais il faut trouver le truc exact. Alors Arthur, c'est la même ligne que Jérémy, donc je te fais la même réponse que Jérémy. Alors d'ailleurs, c'est pas tout à fait la même ligne que Jérémy. Mais ce sera la même réponse que Jérémy quand même. Il y a un problème dans ce que peuvent jouer les noirs, dans ce que tu me proposes. Allez, vous n'êtes pas très loin, mais la précision de votre calcul laisse à désirer pour l'instant. Erwan, pareil, tour prend G6, qui a décidé que je jouais Roi H8? Et sur fou G7, qui a décidé que je jouais Roi G8? Que ça t'arrange, ça je peux comprendre, mais. Alors la ligne de forcé. Ah bah on n'est pas d'accord sur ce qui est forcé, hein, du coup. La ligne de Laura, fou prend, H prend, tour prend. Il y a une parenthèse, donc je pense qu'elle est involontaire la parenthèse. C'est Roi H7 et sur Roi H7 tu veux rebalancer en F6. Fou prend Dame H5. Roi G8 et Quai E4. Ah c'est une longue variante du coup. Et sur Roi G8 Quai E4 je suis pas sûr qu'il y ait des menaces. Jérémy a la même chose que du coup que Laura. Bah je prouvez-moi votre truc. Parce que tour prend F6, ok, fou prend, payé. Parce que dans votre ligne, il commence à vous manquer des pièces, hein. Alors le problème majeur de la plupart des suggestions que vous m'avez faites ici, c'est que votre calcul est brouillon. C'est-à-dire qu'en fait, vous partez avec des coups candidats et des idées, et une idée directrice, je dirais, un objectif. Et alors en cours de route, quand vous rencontrez des difficultés, ça devient n'importe quoi. Si je vous ai une métaphore bien pourrie, ça revient à dire que vous faites une course cycliste, vous êtes sur la route, puis en cours de route, il y a des obstacles sur la route.
Vous vous arrêtez pour enlever les obstacles, et au lieu de reprendre votre route, bah, vous commencez à partir à la cueillette aux champignons, à la chasse aux fleurs, à écrire des poèmes, vous faites ce que vous voulez. Mais je ne comprends pas tous vos calculs en fait. Si vous voulez prendre en G6, l'objectif il est clair quand même quand je prends en G6. On devrait être tous d'accord que quand je prends en G6, je veux mater. Donc tous ceux qui s'arrêtent en cours de chemin pour aller récupérer des pièces ou des choses comme ça, vous avez oublié l'objectif premier de prendre en G6. D'autant plus vous avez balancé deux pièces en G6. Hein. Donc, du coup, va falloir prouver comment ça se fait. Et si vous n'oubliez pas l'objectif premier du mat, ah, il y a un truc qui ne va pas dans tous vos calculs. C'est pas un hasard si vous ne trouvez pas de mat dans tout ce que vous me proposez. Là, j'ai une question bête et méchante pour vous, c'est avec qui on mate? Non, non, c'est pas que vous êtes des buses en calcul, hein, c'est que vous sélectionnez des coups candidats sans vous rendre compte que vous les sélectionnez en fait. Le choix des coups candidats, il est important. Et vous vous en rendez pas compte, vous le faites en pilote automatique. La première prise en G6, ok. La deuxième prise en G6, ok. Ça, je suis d'accord que c'est facile. Et donc du coup, après avoir pris deux fois en G6, vous partez tous là comme des fous sur tour prend G6 à la fin. Moi le mat avec la tour et le fou, je connais pas trop. Si, je connais Pillsbury, mais là ça a pas l'air quoi. Moi si je veux mater, j'ai besoin que madame elle puisse faire quelque chose. Alors Arthur c'est mieux, mais c'est pareil, c'est pas. Il y a des idées plus intéressantes dans ce que propose Arthur, mais je ne sais pas si elles vont marcher. Quand je dis je sais pas qu'elles vont marcher, c'est que du coup en fait je sais qu'elles vont marcher. Qu'elles vont pas marcher, pardon. Alors c'est mieux, Erwan, pareil, mais j'ai une défense sur ce que tu me proposes. Vous avez tourné autour de la bonne idée, mais vous ne vous rendez pas compte que j'ai une défense à la fin. Ouais, je vous laisse encore un peu de temps. Bon, moi je m'amuse. Non, c'est pas Dame d'étoile. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne parce que vous avez un poil de mal. Du coup. Donc on est d'accord que c'est quai prend G6, machin prend G6 que vous voulez, fou prend, pion prend, vous êtes tous arrivés à cette position-là. Du coup. Et dans cette position-là, ben vous êtes tous partis au tout début sur tour prend G6, auquel je crois, mais alors absolument pas, parce que tour prend G6, je vois pas pourquoi mon roi aurait d'énormes problèmes ici. Alors peut-être que vous allez réussir à récupérer une pièce, peut-être que vous obtenez des choses, mais je pense pas que vous obteniez quoi que ce soit. Pas suffisamment pour les deux pièces données. La clé, ça va être de faire rentrer la dame dans cette position.
Et pour faire rentrer la dame, bah, il va falloir essayer de l'amener en G6. Et ok, pour l'amener en G6, bah, vous avez trois options. Ce sont ces trois cases-là qui vous permettent de jouer dame prend G6. Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai montré sur la prise en H6 tout à l'heure d'ailleurs. C'est-à-dire que ici, l'idée c'est que la dame va se joindre à la tour, et vous imaginez que la dame arrive sur la case jaune, ça devient très compliqué pour le roi noir maintenant. Alors dame D3, ça a été suggéré plusieurs fois, mais malheureusement dame D3, c'est un mauvais calcul. Parce qu'ici, on peut défendre dans cette position. Il y a un coup, alors qui est peut-être pas facile pour vous voir à l'aveugle, mais qui va empêcher dame prend G6. Alors quel est ce coup? Effectivement, le coup ici qui pose problème, c'est cavalier E5, qui a l'air bête, parce que vous me dites, bah ouais, je peux manger les cavaliers, sauf que non. Sauf que non, parce que ça mène à l'échange des dames. Alors oui, vous allez gagner une pièce avec les blancs, hein. On peut jouer D prend E5, dame prend dame, tour prend dame. Le souci, c'est que si vous avez bien gagné une pièce du coup avec les blancs, vous avez donné deux pièces en G6 au démarrage. Et du coup, maintenant que vous avez donné ces deux pièces et que vous en avez pris une, ben si on fait le bilan, alors c'est au noir de jouer, hein, donc je vais sauver ce cavalier, je sais pas, je vais vous jouer cavalier là par exemple, ben, je me retrouve avec une pièce en moins. Donc mon attaque complètement échouée, plus de dame et une pièce en main. Est-ce qu'on est ok que dame D3, le joli coup cavalier E5, vous empêche de continuer votre attaque? Oui, ça marche. On va regarder dame C2 maintenant. Dame C2, ça a l'air un petit peu plus malin. Parce que du coup, on a l'impression que ce cavalier E5 marche pas. Mais est-ce que c'est si vrai que ça? Est-ce que cavalier E5 ne marche pas ou est-ce que du coup, il y a quelque chose derrière? Oui, effectivement, Jérémy, c'est-à-dire que en commençant par cavalier E5 ici, il y a bien pion prend cette fois-ci qui ne tolère pas l'échange des dames, mais il faut comprendre un truc, c'est que votre dame en C2, il y a une tour en face et le cavalier se retrouve cloué. Qu'est-ce que ça me donne comme option défensive? Ça donne cette option-là. Le fou s'interpose juste à temps pour protéger le pion G6, et évidemment, bah, je ne peux pas faire cavalier prend fou, ça me coûte madame. Et si je ne peux pas faire cavalier prend fou, bah ça veut dire que madame doit à nouveau bouger, je sais pas, dame E2 par exemple, le cavalier va s'en aller, je sais pas où, H5, pas H5, ça m'étonnerait, le PC veut proposer un truc peut-être un peu bizarre, et ok, peut-être que ici je vais récupérer le fou et que ça ira. Ouais, peut-être que fou E4 n'est pas vrai, peut-être qu'il fallait jouer cavalier E4, qui était plus précis. Mais ça revient au même, l'idée c'est qu'on profite du coup du clouage pour interposer quelque chose en E4, et ben ça devient compliqué de continuer l'attaque. Pourquoi c'est compliqué? Bah parce que je ne peux pas simplement me débarrasser des pièces avec cavalier prend E4. Donc, quel est le bon coup? Bah le coup c'est ni dame C2 ni dame D3. Le bon coup ici c'est dame B1. Et vous allez voir que les noirs vont essayer de défendre de la même manière et que ça va pas marcher. Alors évidemment, si vous ne faites rien, je sais pas si vous faites dame prend D4 par exemple ici, hein, il y a du mat hyper rapide avec dame prend G6 échec et puis dame G7 mat au prochain quoi que vous fassiez. Hein. Donc sur dame B1, les noirs ont essayé cavalier E5. Bon ben, pion prend. Cavalier E4. Sauf que cette fois-ci, comme on n'est pas cloué, le long de la colonne C, eh bien on peut jouer simplement cavalier prend E4. Et dans cette position, ben, j'ai récupéré les deux pièces que j'avais données. Donc dans l'histoire, j'ai deux pions de plus. Et toujours l'attaque. Donc je vous montre la fin de la partie qui est plutôt jolie. Il y a eu roi H7. Cavalier F6 échec, qui est assez facile à trouver pour libérer l'arrivée de la dame. Roi H8 pour empêcher dame prend G6 sur échec. Et une finition plutôt classe, même si là tout va gagner, hein. Mais il y en a eu fou G7 et abandon. Alors pourquoi abandon et pourquoi fou G7? C'est qu'on est obligé de faire roi prend G7. Et que ça permet dame prend G6 sur échec, cette fois-ci. Puis mat en G7, en H7, où vous voulez.
Est-ce qu'on est OK pour ce petit sacrifice en G6? J'ai prévenu que ce serait un peu plus tactique que d'habitude. Ou est-ce qu'il y a des questions sur le sacrifice en G6? Que ce soit difficile, je comprends bien, mais du coup, est-ce que c'est compréhensible, quoi? Ouais, tu sentais que j'avais un moment de stop sur où est-ce que tu me poses ça. Donc dame C2, quai E5, est-ce qu'il y a tour prend G6, quai prend et dame G7 mat? Oui, du coup, si je prends G6. Mais en fait, si tu joues tour prend G6, je vais être malin. Je vais essayer de te jouer sans doute roi. Je sais pas si je joue roi H7 ou roi H8. Sais pas si je joue roi H8 par exemple ici. T'as coincé un peu ta dame qui n'intervient plus et peut-être c'est bien hein, ce que tu proposes. Hein. Mais là, ici, maintenant. Ça paraît compliqué. Peut-être qu'il y a quelque chose, hein, mais je suis moins sûr. Je suis beaucoup moins sûr qu'il y ait quelque chose parce que t'as passé la tour devant. Et ça devient très compliqué de ramener la dame dans cette position. Bon, j'espère que j'ai répondu en tout cas. Bon, même si du coup le sacrifice est compliqué, etc. J'y peux rien. C'est comme ça qu'il faut faire quand vous jouez avec le pion isolé. L'idée du pion isolé, c'est que vous avez des pièces qui sont plus actives, qui sont plus dynamiques que les pièces adverses. Et donc, ben, vous devez utiliser ces pièces pour monter une attaque sur le roi adverse. Mais c'est une attaque de pièces, c'est pas une attaque gentillette avec par exemple H4 que nous proposait Jean-Luc. Donc, qui dit attaque de pièces dit forcément sacrifice à un moment donné. En gros, vous avez 4-5 pièces autour du roi adverse, vous allez devoir en donner une pour accéder au roi adverse. Et enlever ses protections. Et donc, bah forcément, qui dit ça dit calcul. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué que ce que vous voyez d'habitude en calcul. Mais la méthode générale qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est que je me dépêche d'utiliser mes meilleures pièces avant que l'autre ait des pièces qui deviennent aussi bonnes que les miennes. Et la première façon de les utiliser, bah c'est de faire ça, à savoir les emmener autour du roi et attaquer le roi adverse violemment avec mes pièces. Et pour attaquer le roi adverse violemment avec mes pièces, la plupart du temps, je passe par des sacrifices. Est-ce qu'on est OK sur le plan ou sur l'exemple que je vous ai montré ici? OK. Alors, deuxième façon de profiter de son pion du coup isolé. On va vous mettre côté noir. On va changer un peu. Donc là vous avez ici une situation de pion isolé pareil, relativement classique. Ça vient d'une défense d'arrache dans le Grand Milan. Donc les noirs ont un pion isolé en D4. Il y a moins de pièces dans cette position-là. Il y a moins de pièces que du coup tout à l'heure. Et je vais vous montrer la deuxième façon qu'on a de profiter de son pion isolé. Alors elle est un petit peu plus subtile, un petit peu plus compliquée dans l'approche que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est basique, hein, c'est oulala, je vais mater. Vous y allez là-bas vos lèvres, hein, le couteau entre les dents, hein, vous vous précipitez sur le roi adverse. Alors vous allez trouver ça plus compliqué dans la réalisation, mais moi en tant qu'entraîneur, le plan je le trouve basique. Si j'ai un pion isolé, je mate, quoi, j'emmène mes pièces vers le roi, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas de question sur qu'est-ce que je dois faire en fait, ou sur comment je dois le faire. Là où ça devient compliqué pour vous, c'est que généralement en tactique, vous n'êtes pas très au point avec les sacrifices sur le roi. Mais ça, c'est le fait de faire la tactique chess tempo, quoi. La tactique, c'est pas juste manger des pièces, hein. C'est aussi toutes ces tactiques de sacrifice. Dédicace à Jean-Luc et au bouquin Échec et mat de l'initiation à la maîtrise, je sais plus c'est quoi le titre, mais les bouquins de tactique sur le roi. Le deuxième plan, il va être un petit peu plus subtil. C'est-à-dire que dans l'idée, vous allez voir, ça nécessite un petit peu plus de réflexion. Mais dans la réalisation, je pense que vous allez le préférer. Parce que la réalisation, pour le coup, est beaucoup plus simple. Il y a moins de problématiques de calcul.
Alors on va avancer un petit peu dans la partie, c'est aux blancs de jouer, et puis je vais vous montrer comment ça marche. Les blancs dans cette position ont joué tour C1, qui est un coup extrêmement logique, hein. On met la tour sur une colonne ouverte, attaquant la dame en C5, gagnant un temps sur la dame. Les noirs ont joué là aussi un coup logique, c'est dame B6. Il fallait que madame bouge et il faut que je continue à protéger mon pion en D4. Dame B6, les blancs ont eu peur de dame prend B2. Donc du coup, ils ont joué B3 dans cette position. Alors j'accélère toujours un peu, vous m'arrêtez si ça vous choque. Mais ça me paraît pas très très dur pour l'instant ce qui se passe. Dans cette position, les noirs, ils ont joué un coup qui peut être un petit peu compliqué à comprendre. Mais pas tant que ça si on se met à la place des noirs. À la place des noirs, il faut que je développe mon fou C8. J'aimerais bien jouer fou F5 ou fou E6. Ce sont les deux cases qui me paraissent normales pour ce fou. Alors il y en a peut-être qui auraient envie de jouer fou G4 dans cette position. Je suis pas du tout d'accord avec fou G4. Parce que fou G4, pour moi, ça veut dire que vous avez envie de prendre le cavalier, si on vous pose la question. Et j'ai aucune envie de prendre le cavalier. Je vous renvoie au cours fou contre cavalier. Il n'y a pas de case stable pour ce cavalier ici, dans cette position. Vous voyez bien que si on regarde autour du centre, ou proche du centre, il n'y a aucune case disponible pour le cavalier blanc protégé par un pion. À la limite, la case intéressante, ce serait la case D3. Qui est peut-être la case la plus intéressante protégée par un pion. On n'est pas tout à fait au centre. Voilà. Donc ce cavalier ne me paraît pas tout à fait correct dans la position. Il n'est pas catastrophique, hein. Pour l'instant F3 ça va. Mais il n'a pas beaucoup d'avenir. Donc j'ai aucune raison d'échanger un fou qui va faire des trucs contre un cavalier qui ne me paraît pas très utile. Donc c'est pour ça que j'ai envie de jouer soit fou F5, soit fou E6. Dans les deux cas, j'ai un problème. Si je joue fou E6, je n'aime pas le coup cavalier G5, qui vient poser la question à mon fou en E6. Et je ne suis pas sûr de ce qui se passe. Je ne peux pas jouer fou ici, je suis obligé de bouger ce fou, j'aime pas trop cette idée-là. Et le cavalier commence à trouver des idées, peut-être des cases intéressantes, peut-être des choses comme ça. Idem, si je fais fou F5, j'ai un problème avec le coup cavalier H4. Et mon fou n'a pas de case correcte sur la diagonale. Est-ce qu'on est bien ok que pour sortir ce fou, c'est pas si simple que ça de le sortir en E6, F5 ou G4? Ok, donc avec ce fou, je ne sais pas comment sortir, c'est pour ça que les noirs ont joué H6 ici. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je réexplique, hein. L'idée, c'est que quand vous jouez fou F5, s'il y a cavalier H4, bah, le fou aura la case H7, et ça peut permettre aussi de jouer quelque chose avec fou E6. Voilà l'idée de H6. Dans cette position, les blancs vont continuer avec dame D2. Qui est un coup extrêmement logique, préparant l'arrivée de la tour en D1 et la pression contre le pion D4. On verra ça la semaine prochaine quand on travaillera sur comment jouer contre le pion isolé. Le pion isolé peut être une faiblesse, et si jamais on arrive à mettre la pression dessus, à l'attaquer avec des pièces, bah c'est compliqué pour les noirs de le défendre. Parce que j'ai pas de pion qui va pouvoir le défendre. Les noirs ont été au bout de leur idée avec fou F5. Les blancs ont joué tour FD1, attaquant le pion D4. Les noirs ont joué tour AD8, défendre le pion D4. Et les blancs ont continué à poser la question au pion D4 avec tour C4. Vous voyez que les blancs ne sont pas très discrets et viennent poser sévèrement la question au pion D4. Il faut trouver un moyen de protéger ce pion D4 une quatrième fois, ce qui n'est pas très facile dans la position pour les noirs. Les noirs vont s'en sortir avec un coup assez logique. Que je vais vous faire trouver ici, qui n'est pas très difficile. Hein. C'est pas un coup difficile, je vous demande de trouver ici. Un coup pour réussir à sauver ce pion. En sachant que je vous préviens tout de suite, il y a un coup qui va vous paraître évident, mais qui ne fonctionne pas. Donc faites attention à vérifier. Voilà. Je vous demande un coup dans l'esprit de la position avec les noirs pour sauver le pion D4. Ma question est un peu retorse, parce que je suis un prof un peu retors. Alors D4, je suis pas sûr de ce que tu veux proposer, Erwan, parce que le pion est déjà en D4.
Ça, c'est à toi de calculer. Je suis à peu près d'accord avec la ligne de brebis, hein, effectivement. Si vous jouez D3 ici, qui a l'air de sauver le pion, en fait c'est une fausse bonne idée parce que les blancs vont vous jouer E4, protégé par la tour, chassant le fou, et votre pion que vous avez fièrement mis en D3 risque d'avoir des problèmes. Donc ce n'est pas D3 le coup ici qui sauve le pion D4. Je vous ai dit que ma question était un peu retorse. En échange du pion isolé, je vous ai déjà expliqué que vous avez de l'activité de pièces. Des pièces qui sont actives, qui peuvent faire plus de choses que les pièces adverses. Et quand je vous demande de sauver le pion, ça ne veut pas forcément dire concrètement de sauver du coup le pion. Alors tour D3, je suppose que tu veux dire tour D6. Alors pourtant les coordonnées sont affichées en gros cette fois-ci, hein, donc alors un point pour Jean-Luc qui a trouvé le bon coup. Quand on vous demande de sauver quelque chose, ça ne veut pas forcément dire le sauver concrètement. Ça peut être des fois tolérer sa perte pour récupérer autre chose. Et effectivement, les noirs ici ont joué tour F8 avec l'idée, oui, ça me coûte le pion D4, mais en échange, je me venge sur le pion E2. Ce qui fait que dans un sens, j'ai défendu le pion D4. Alors, tour D6 ne fonctionne pas de mémoire. Alors, faut que je recalcule pourquoi. Bah, je crois que je peux juste prendre en fait. Et si ton idée c'était de clouer avec tour FD8 pour profiter du clouage, bah, je peux juste défendre avec E3. Et le cavalier D4 est assez défendu. Donc, tu peux pas profiter du clouage. Non, non, le bon coup, c'est tour E8 ici. Avec, par exemple, si vous mangez en D4, voilà ce que ça peut donner. Donc j'échange tout, hein. Et puis je joue tour prend E2. Et on peut considérer ici que dans cette position. Alors, il y a fou prend B7, hein, j'ai vu, mais il y a tour prend A2 dans cette position-là. Et du coup, Christophe, je vais revenir, mais tu me donnes une tour, du coup. Donc dans cette position-là, vous excitez pas sur le pion B7, hein, je peux en reprendre le pion A2 sans problème. En échange. Et il faut comprendre que ça, bah, les noirs sont mieux parce que la tour est rentrée en seconde. Ça, je vous renvoie au cours sur la colonne. Alors, Christophe qui voulait prendre le cavalier d'abord, bah, je fais tour prend. Et donc là, si tu veux doubler, bah, tu perds une tour. Je suis protégé par la tour D1. Et si tu me dis encore une fois, je veux prendre la tour D4 d'abord. Bah, à la fin, t'as juste un pion de moins, quoi. Bah, ici, j'ai perdu le pion D4. Donc, tour D6 ne fonctionne toujours pas. Ok? Alors, donc, tour E8 a été joué ici avec l'idée, hein, de se venger sur E2. Dans cette position, les blancs ont joué fou F1. Qui paraît très logique, hein. On défend le pion E2, et puis on pose la question au pion D4. Et là, vous allez avoir, du coup, le moment très important sur la deuxième façon de profiter de son pion isolé. Alors, ça va être un peu technique, donc on s'accroche, mais l'idée est assez simple. Après, c'est dans la réalisation, on va voir. Ça peut vous poser des fois des petits soucis. Ok. Le fait d'avoir des pièces plus actives, ça vient du fait que les pièces adverses, elles vont soit avoir du mal à se développer, c'était le cas dans les premiers exemples qu'on a vus, soit, comme c'est le cas ici,
elles vont être positionnées sur des cases pas tout à fait naturelles, pas tout à fait normales, et elles sont positionnées sur ces cases-là parce qu'elles ont un objectif. Par exemple, si vous prenez la tour en C4 ou le fou en F1 dans cette position, bah ce sont des pièces qui sont positionnées bizarrement. Si vous réfléchissez à vos parties, c'est quand même assez rare que vous ayez un fou en F1 ou même une tour en C4 quand il y a autant de pièces sur l'échiquier. Une place plus naturelle pour la tour, ce serait en C1 et le fou en G2. Ces pièces sont venues ici pour une raison précise. La tour en C4, elle est venue pour manger le pion D4. Le fou en F1 est venu pour défendre le pion E2. L'une des façons très très importantes de profiter de son pion isolé, c'est au bon moment. C'est là que ça va être plus compliqué, le bon moment. Eh bien, l'avancer, quitte à le donner. Dans cette position, les noirs ont joué D3. Et D3 donne le pion en D3. Alors pour l'anecdote, par rapport à tout à l'heure, là, je ne peux pas jouer E4 parce qu'il y aurait fou prend, grâce à la tour 8. Donc sur D3, les blancs ont fait pion prend D3. Et je vous invite maintenant à regarder cette position-là à nouveau. Cette position-là, ben, toutes les pièces blanches, absolument toutes les pièces blanches, sont mal placées maintenant. Alors, le grand prix du couillon est attribué à Dame D2, Tour D1, qui sont maintenant doublés sur leur propre pion D3. Toujours aussi peu malins sont la tour en C4 et le fou en F1, qui n'ont pas vraiment d'avenir. Et la dernière catastrophe à ajouter à la liste, c'est que maintenant le cavalier F3, cavalier qui a besoin de stabilité, c'est la pièce qui a besoin de stabilité par excellence, eh bien, n'est plus stable. Il a perdu son défenseur. Est-ce que vous comprenez que à ce moment très précis, toutes les pièces blanches sont mal placées? Ok. Donc le plan, il est assez simple à comprendre. C'est mes pièces sont bien placées, les vôtres sont mal placées, du coup, parce qu'elles s'en prennent au pion. Donc je vais modifier la position en vous donnant le pion. Alors des fois, on l'avance et on ne le donne pas. Hein. D'ailleurs, si c'est possible, on ne le donne pas. Mais ici, il est donné pour mal placer l'ensemble de vos pièces. Alors après, ça nécessite de savoir comment profiter, encore une fois, de toutes vos pièces mal placées. On va revenir à de la tactique. Ici, je vais vous montrer, je ne vais pas vous demander de trouver, mais je vais vous montrer, expliquer les coups un par un, et vous allez voir que ça se passe plutôt bien. Les noirs jouent ici fou E4. Alors, fou E4, ça profite du clouage du pion D3, hein, on est d'accord, je ne peux pas faire tour prend E4 parce qu'il y a tour prend. Et comme il y a clouage sur la dame, le fou en E4 n'est jamais en danger. Et l'idée de fou E4, extrêmement simple, bah, on pose la question au cavalier F3. Le cavalier n'est plus stable, bah on vient l'attaquer, on lui demande où est-ce que tu vas. Alors dans cette position, les blancs ont choisi de bouger le cavalier, mais ça me paraît être difficile de faire autre chose. Si vous voulez défendre le cavalier par exemple avec fou G2, bah il y a ne serait-ce que tour prend D3 qui récupère tout de suite le pion en faisant jouer la tour. Si vous essayez d'être un peu plus malin avec fou E2, dans cette position-là, il y a des petits problèmes tactiques ici qui apparaissent avec fou prend F3, fou prend F3 et le coup cavalier E5. Ça devient difficile de défendre tout le monde. Vous payez vos pièces qui sont mal placées. Donc dans cette position, après fou E4, eh bien les blancs ont joué cavalier E1. Alors oui, il n'est pas mieux placé en E1 qu'en F3. Oui, il est mal placé aussi, mais j'ai pas mieux à vous proposer dans cette position. Sur cavalier E1, les noirs ont reculé le fou en D5 pour essayer de dégager la tour. Et en fait, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, les noirs, pour dégager la tour. Et les blancs ont refusé de dégager cette tour parce qu'ils avaient compris ce qui allait se passer. Donc les blancs ont joué tour F4 dans cette position. Et c'est très important avec les blancs de défendre la case F3.
Ils ont compris qu'est-ce qui va arriver. Les noirs ont joué un coup qui peut paraître extrêmement bizarre. C'est le coup G5. Non, retenez pas le coup G5. Ce qu'il faut comprendre, c'est juste qu'on veut accès à la case F3. G5 a été joué pour que la tour défende pas F3, parce qu'on a déjà repéré quelque chose qui fonctionne pas si la tour est en F4. Donc on essaie de dégager la tour de F4. Donc les blancs ont dégagé la tour de F4. Et les noirs ont joué enfin leur idée qui est cavalier D4. Et avec le coup cavalier D4, eh bien les noirs ont une menace ici. Une menace bien désagréable. Est-ce que vous êtes capable de trouver la menace? Donc si je redonne le trait au noir. Effectivement, la menace des noirs, si vous jouez un coup neutre, ici, c'est de jouer tour prend E1, suivi de la fourchette en F3. En fait, je pense que tout le monde doit voir la fourchette en F3 dans cette position, tout le monde doit avoir envie de le jouer, mais elle ne fonctionne pas à cause du cavalier E1. Donc l'exercice devient comment se débarrasser de la pièce qui défend, c'est pas très dur de l'enlever avec tour prend E1, effectivement, suivi de la fourchette. Donc sur cavalier D4, bah, on menace ça. Mais si vous bougez le cavalier, ben, je fais la fourchette quand même. Et face à cette menace, eh bien les blancs n'ont pas trouvé mieux que de sacrifier la qualité avec tour prend cavalier. Alors pareil, je veux bien que vous me proposiez un coup de défense, mais ça me paraît extrêmement compliqué, je vais vous mettre côté blanc, d'empêcher là cette idée de tour prend E1 et de cavalier F3. Vous avez beau connaître l'idée des noirs, qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour empêcher ça? C'est vraiment sympa, ou je sais pas si vous m'avez pas entendu, ou si vous êtes à court de suggestions. On me propose fou G2. Fou G2, il y a effectivement plusieurs moyens de continuer sur fou G2. Il y a des moyens très simples hein, dans cette position. Le moyen qui me fait le plus peur sur fou G2, c'est tour E2. Qui vient attaquer la dame. Du coup. C'est même pas stratégique, hein, c'est tactique. J'attaque la dame, mais discrètement derrière la dame, j'attaque le pion F2, et vous allez me voir débarquer assez vite dans cette position. Parce que du coup, la dame bouge. Imaginons dame C1 par exemple, dans cette position-là. Bah, du coup, ça va me démanger fortement de vous jouer ça par exemple. Échec. Vous prenez, je sais pas, avec le fou par exemple. Et puis je gagne avec dame prend F2 et dame prend H2 mat. Donc fou G2, c'est pas tout à fait possible, non. Et s'il n'y a pas fou G2, bon, je pense que tout le monde est convaincu, hein, ici, j'ai beaucoup de mal à empêcher ce truc-là. Et donc bah, avec les blancs, il a fallu jouer tour prend D4, dame prend D4. Je m'arrête là parce que la partie a continué. Normalement, ici, vous devriez être convaincu que les noirs sont mieux. J'ai une qualité de plus, alors certes pour un pion, et puis bah, l'ensemble des pièces blanches, bah, je vous ai laissé côté blanc. Ça a l'air catastrophique, cette position avec les blancs. Est-ce que du coup, il y a des questions sur ce deuxième exemple? Ou est-ce que ça vous paraît clair? Ok. Si c'est ok pour vous, on va faire un petit résumé de ce qu'on vient de voir et je vais vous montrer une dernière partie parce que le chrono tourne déjà, qui là pour le coup sera sans doute un petit peu plus difficile, mais qui va vous montrer tout ça. Si on résume, du coup les positions de pions isolés, c'est assez simple, c'est-à-dire que en échange de votre pion isolé, vous allez avoir des pièces plus actives, des pièces plus jolies, des pièces qui sont mieux placées dans la position. Ça, c'est quelque chose qui va pas durer éternellement. Alors, n'allez pas baliser, hein, ça dure quand même au moins une petite dizaine de coups, généralement. Mais vous pouvez pas espérer atteindre le 30e, le 40e coup avec un pion isolé. Ça veut dire que quand vous jouez avec un pion isolé,
aux alentours du 20e, du 25e coup. On considère qu'il faut 10-12 coups pour sortir à peu près toutes ces pièces. Donc je vous en donne 10 de plus, on va dire 20-25 au final. Enfin, vers 20-25e coup, vous devez, dans cette position, dans ces positions-là, bah, prendre des décisions. Et vous avez deux types de décisions, deux types de façons de profiter de votre pion isolé. Façon numéro 1, vous profitez de vos meilleures pièces pour les emmener vers le roi adverse et mater le roi adverse. Alors se pose la question de la réalisation. Plus vous connaissez de sacrifices de pièces sur le roi, mieux ça va se passer. Plus vous savez calculer tactiquement, mieux ça va se passer. La deuxième façon de faire, du coup, c'est de pousser le pion, quitte à le donner, pour déséquilibrer complètement les pièces adverses, pour amener une position dans laquelle bah, les pièces adverses sont hyper mal placées. Dans les deux cas, ces méthodes s'appuient sur du calcul, sur de la tactique et sur du jeu de pièces. Ce qui me permet de vous donner quelque chose de très important, à savoir que si vous avez un pion isolé, bah vous devez avoir des pièces mineures. Vous voyez que l'ensemble du contre-jeu que vous obtenez, ou même du jeu que vous obtenez avec vos pions isolés, il dépend de la présence ou non de pièces mineures. Autrement dit, quand vous jouez avec le pion isolé, il vous faut des pièces mineures. Et on verra la semaine prochaine que quand vous jouez contre le pion isolé, vous devez vous débarrasser des pièces mineures. En enlever le plus possible. Pour du coup ne pas vous prendre les deux plans que je viens de vous donner. Je vais vous montrer une partie un petit peu compliquée, mais qui me paraît extrêmement importante pour comprendre toutes ces choses-là. Alors c'est une partie récente, ça date de 2013, entre deux joueurs très forts. Un grand maître à 2659 et un autre grand maître à 2542. Pour continuer dans les spoilers, c'est une partie qui est issue du bouquin que je vous ai déjà recommandé plusieurs fois de Flores Ríos sur les structures de pions. Donc si vous ouvrez le bouquin de Flores Ríos sur le pion isolé, vous allez trouver cette partie-là comme une des premières, je crois. Et c'est une partie qui est très très bien. Donc quand je trouve une partie qui est très bien dans un bouquin, bah, je la prends. Voilà. Je vais vous montrer du coup la partie, je vais vous montrer le début. Et puis on va s'arrêter assez vite à la position qui pose problème. Alors je vais accélérer un petit peu sur le début parce que c'est une ouverture et que tout le monde n'est pas obligé de jouer C4 l'anglaise, d'autant plus que les noirs répondent avec C6 pour essayer de faire une slave. Donc il y a un petit jeu dans le début, dont j'ai pas forcément envie de vous parler, parce qu'il est au-dessus du niveau du groupe. Mais il se trouve que à la fin de ce petit jeu, non, il se passe des choses, j'accélère un tout petit peu. Bah vous obtenez une position de pion isolé. Position de pion isolé tout à fait normale. Qu'est-ce que j'appelle position de pion isolé normale? Bah on a bien un pion isolé central, hein, on ne parle pas du pion B2 encore une fois. Et surtout, bah en échange de ce pion isolé, il y a bien des problèmes dans le développement des pièces noires. Dit casse ici ou fou C8. Si on prend la même position et que le fou C8 par exemple est sorti en G4, ce n'est pas du tout une bonne position de pion isolé. Parce que si le fou C8 est en G4, les noirs n'ont pas de pièces plus mauvaises que celles des blancs, et donc vous n'avez rien en échange de votre pion isolé, donc votre pion isolé il est mauvais. Pion isolé, c'est ni bon ni mauvais en fait, ça dépend de la position. Si vous avez des jolies pièces, ça va. S'il n'y a pas de pièces mineures sur l'échiquier, ça va pas du tout, parce que vous n'aurez pas de jolies pièces. Et si vous avez des positions comme c'est le cas sous vos yeux, ce sont des choses qui sont considérées comme égales. Là, je ne peux pas vous dire qui est mieux dans cette position-là. Ça me paraît équilibré. Il y a des faiblesses de chaque côté, le fou C8 contre le pion D4. Les blancs ont continué dans l'esprit du pion isolé, donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. L'esprit du pion isolé, du coup, ça va être de chercher de l'activité avec ses pièces. Hein, on n'a pas le temps de s'arrêter pour jouer du H3, du A3, sauf à ce que ce soit vraiment indispensable. Vous allez voir que les blancs vont jouer A3 là, dans cette position-là. Enfin, un peu plus tard. Ici, les blancs ont joué tour E1, donc qui permet d'envisager le fameux rook lift dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein, qui active la tour, c'est un coup relativement normal. Dans cette position, les noirs ont joué un coup que je trouve pas terrible, personnellement. Ils ont joué cavalier F6. Alors je comprends l'idée de cavalier F6. L'idée de cavalier F6, c'est d'empêcher la continuation des blancs. En fait, les blancs ici avec tour 1, bah, ils veulent très certainement jouer cavalier E5, dans cette position-là, et puis commencer à envoyer la tour, hein, on en a parlé dans le premier exemple. Pour empêcher ça, les noirs jouent cavalier F6 qui maintient une pression sur le pion D4. Ce qui fait que si je touche au cavalier F3 et que je l'emmène en E5, je vais perdre mon pion D4. Donc l'idée de cavalier F6 avec les noirs, c'est d'augmenter la pression sur le pion D4
de manière à empêcher que le cavalier F3 bouge. Est-ce qu'on est OK jusqu'à présent? Ok. Alors, je vais continuer à avancer. Les blancs ici ont joué un coup un peu mystérieux qui est le coup A3. Alors, je vais essayer d'expliquer. Moi, j'ai mis avec des flèches. C'est que on a vu que dans les options de développement avec les noirs, il y avait B6 ou B7, mais qu'il fallait trouver un endroit pour jouer pour ce cavalier. Et la manœuvre qu'on a vue, c'était cavalier B4 pour aller sur la case forte en D5. En jouant A3, bah, les blancs veulent empêcher les noirs d'amener ce cavalier en D5. Donc c'est une perte de temps à 3, en tout cas au moment où c'est joué. Mais en fait, cette perte de temps, elle n'est pas inutile dans le sens où elle va faire perdre du temps plus tard aux noirs pour trouver comment arranger leurs pièces. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je raconte là. Donc du coup, comme le temps que vous investissez maintenant, vous espérez le récupérer plus tard, parce que les pièces noires vont être gênées, bah c'est pas tout à fait une vraie perte de temps. Alors dites-moi si je suis pas clair avec cette histoire de A3. Et donc, sur A3, eh bien, les noirs ont décidé de jouer A6. Alors, A6, c'est pas une perte de temps sèche, là, hein, c'est pour jouer B5, gagner un temps sur le fou C4, et mettre son fou en B7. Malheureusement, c'est une mauvaise idée de jouer A6-B5 dans des positions de pions isolés. Ça, du coup, je peux vous le dire tout de suite. Ça arrive rarement que ça fonctionne. Il valait mieux jouer B6 tout de suite pour mettre le fou en B7 dans cette position. Donc il y a eu A6, les blancs ont joué fou A2, qu'aurait dû mettre la puce à l'oreille des noirs, parce que c'est bizarre de reculer le fou en A2, tout ce qu'on veut, c'est que ça gagne pas un temps de jouer B5. Et les noirs ont joué B5. Et voilà la position qui m'intéresse. Voilà une position intéressante à comprendre pour le pion isolé. Alors je pense que ceux dans le chat qui ont assisté au cours de vendredi dernier vont être avantagés, parce que ça ressemble très très fortement, du coup, à une partie que j'ai jouée à Guingamp et qu'on a regardée vendredi dernier, parce que je vais vous montrer là. Dans cette position, les blancs ont un très bon coup. Alors, je vous dis pas lequel. Normalement, avec ce qu'on a fait avant, vous pouvez le trouver. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être de vous essayer de trouver le coup, évidemment, mais de comprendre pourquoi c'est maintenant qu'il est intéressant, ce coup-là. Donc, très haut blanc, est-ce que vous pouvez me proposer le coup et une justification? Je prends pas le coup sans la justification. Vous m'expliquez pourquoi vous voulez jouer ça. Alors c'est tout à fait ça, Jérémy, du coup. C'est que dans cette position, les blancs n'ont pas utilisé le plan d'aller mater. Vous n'êtes pas prêt pour aller mater ici, hein. Vous voyez d'ailleurs, le positionnement du fou en A2, d'ailleurs, il est important. Vous voyez que le fou en A2, il est sur cette diagonale-là. Oh bah c'est une belle diagonale que je viens de faire. Il est du coup sur cette diagonale-là, pas sur cette diagonale B1-H7. Et quand il est sur B1-H7, c'est plutôt pour travailler sur H7 et sur le roi. Quand il est en A2-G8, la diagonale où il est actuellement, c'est effectivement plutôt pour travailler sur la case D5 ici. Et en fait, l'idée, c'est effectivement qu'avec les blancs, on a joué D5 ici. Le fameux j'avance le pion, quitte à vous le donner. Alors ici, je le donne pas, comme l'indique Alain, du coup. Enfin, je l'appelle Alain, mais, enfin, lui il s'appelle Karine, mais tout le monde a compris que c'était Alain. Et du coup, sur ce D5-là, on va obtenir une position nouvelle, une position dans laquelle le centre va s'ouvrir, et dans cette position dans laquelle le centre va s'ouvrir, bah c'est pile poil le moment où les noirs ont des problèmes. Parce que là, quand vous avez joué B5, le dernier coup noir, vous avez des problèmes pendant un coup. Pendant un coup, votre cavalier en C6 il est en l'air, votre tour en A8 aussi. Vous prenez un coup de plus,
Et je joue H3 pour rien. Et vous laissez le fou arriver en B7. Là, il n'y a aucun problème chez les noirs. Le fou B7 fait bien son travail. La tour A8 est OK. Elle est liée avec la dame en D8. Tout va bien. Par contre, pile au moment où vous avez joué B5, vous êtes vulnérable juste à ce moment-là. Et c'est évidemment pile ce moment-là qu'on doit choisir avec les blancs pour aller profiter de son pion isolé avec D5. C'est hyper fréquent que cette rupture D5, cette poussée du pion isolé, elle arrive quand l'autre a des pièces pas protégées. Quand l'autre a des pièces en l'air, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe après D5? Ben, avec les noirs, j'ai pas trop le choix. Je suis obligé de prendre un D5. Bouger le cavalier, c'est très très dur. Déjà parce qu'il n'y a pas forcément de bonne case. Alors, je peux aussi vous mettre en A5, par exemple. Mais ensuite, parce que ça veut dire perdre un pion. Après, pion prend E6. Hein. Alors, ici, je suis défendu 2. Attaqué 2. Donc, du coup, hein, j'ai bien gagné un pion. Alors, imaginons, fou prend. Fou prend, pion prend. Tour prend, j'ai un pion de plus. Donc, ça veut dire que sur D5, je suis obligé de faire pion prend D5. Sur pion prend D5, les blancs prennent du cavalier, très important. Hein. Ce qu'on veut à la fin, c'est arriver avec le fou en D5, pour travailler sur cette diagonale. Et cavalier prend D5, bah, ça menace un paquet de trucs. Déjà dans les choses qu'on a déjà vues tous ensemble, ça menace le gain de la paire de fous. Donc avec les noirs, c'est difficile de ne pas faire cavalier prend cavalier. Un coup que je peux vous proposer ici, ce serait tour A7. Tour A7 avec l'idée d'essayer de défendre un peu. Ah, je vais vous montrer ce que ça peut donner. On peut imaginer fou E3 parce que ça sort le fou en gagnant un temps sur la tour. Tour D7. Cavalier prend E7. Cavalier prend E7 et dame B3. Moi, je préfère très nettement les blancs ici parce que dans cette situation, bah, on a la paire de fous et que la paire de cavaliers me paraît catastrophique. Hein. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Les cavaliers ont besoin de cases stables, hein, proches du centre défendu par un pion. Qu'est-ce que vous allez faire des cavaliers là-dedans? J'ai aucune idée de ce qu'on va faire des cavaliers. Et là, vos cavaliers, en plus, ils sont en danger tout de suite. On peut imaginer des coups comme fou C5 qui posent des problèmes au cavalier E7. Voire des coups comme fou G5 parce que fou prend F6 va devenir une menace si vous devez reprendre du pion. Donc après cavalier prend D5, tour A7 ne sauve absolument pas les noirs. Les noirs ont donc joué cavalier prend D5. Et là, il y a un coup rigolo. C'est-à-dire que bon bah là, on rentre dans le calcul, à proprement parler. Vous pourriez tenter peut-être de jouer fou prend D5, mais fou prend D5, ça donne pas grand-chose. J'ai juste le temps de jouer fou B7, et ouf, je tiens tout. Dans cette position-là. Parce que si j'essaye par exemple fou prend C6, dame prend D8 pour essayer de gagner le fou E7, ben, je peux simplement prendre du fou en D8, et je gagne pas le fou E7. Et il y a peut-être également d'autres types de problèmes dont il faut se méfier. Par exemple, tour prend D8 est peut-être jouable finalement. Parce que si vous jouez tour prend E7, youpi, j'ai gagné une pièce, bah à la fin vous prenez la contre, tour D1 échec. Alors à vérifier ce que je raconte, parce que je peux peut-être jouer cavalier E1. Tour E1 par contre, je ne peux pas le jouer à cause de fou prend F3 intermédiaire. Je supprime le défenseur de la tour, ce qui fait que je perds une tour, ou si tour prend, bah je fais fou prend. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'après fou prend D5, fou B7, bah, c'était pas mal, mais pas suffisant. Dans la partie, les blancs ont repris de la dame en D5. Et pourquoi est-ce qu'ils ont repris de la dame en D5? C'est parce qu'on est sûr que les noirs ne peuvent pas échanger dame. Si vous jouez dame prend dame, fou prend dame, vous allez perdre une pièce. Vous allez perdre une pièce parce que votre cavalier C6 est attaqué. Et vous devez donc le bouger, ou le défendre. Que vous le bougiez ou le défendez, ça change pas grand-chose, parce que le cavalier C6, dès lors qu'il disparaît, soit parce qu'il a bougé, soit parce que je vais le prendre, eh bien vous allez perdre le fou E7 à la fin. Alors, on imagine par exemple fou B7, bah, il y a fou prend C6, fou prend C6, tour prend E7, et comme il n'y a pas de tour D8 ici, il n'y a pas de contre-jeu avec tour D1. Donc après dame prend D5, eh bien les noirs ne peuvent pas échanger les dames. Est-ce que c'est à peu près clair? Je sais qu'il y a un peu de tactique, j'essaie de l'expliquer. Mais est-ce qu'on est OK que je ne peux pas échanger les dames là-dedans et que mon cavalier est attaqué? OK. Donc dans la partie, eh bien les noirs ont joué fou B7. Et alors qu'est-ce que ça change d'avoir pris de la dame? Parce qu'une fois que les noirs ont joué fou B7, on obtient à peu près le même type de position. Bah là, vous allez voir qu'en fait, les blancs, ils vont utiliser le deuxième plan. Ils ont joué dame H5 ici. Et après dame H5, bah regardez du coup ce petit fou A2, il attaque.
F7. Ce petit cavalier, il peut bondir en G5. Coucou H7. Ça devient compliqué pour les pièces noires, particulièrement celle-là, de défendre le roi noir. Et après dame H5, les blancs ont une attaque gagnante sur le roi. Alors ça, c'est difficile à comprendre. Extrêmement difficile. Je vais pas vous le demander. Je vous demander de suivre avec moi pour voir que quoi que vous fassiez, je gagne. Alors, dans le fichier, pour ceux qui voudront, il y a plein de coups que j'ai analysés ici. Plein, plein, plein. Je vais commencer par vous montrer la partie, comme ça je pourrai la finir dans les temps. Cette partie déjà. Et puis, s'il me reste le temps, ou pour ceux que ça intéresse, je reviendrai à cette position-là, si vous voulez essayer de défendre différemment par rapport à la partie. Dans la partie, les noirs ici ont joué dame C7, dans cette position-là, qui est un coup plutôt logique pour lier ses tours et mettre en jeu sa dame. Ici, il y a plusieurs coups intéressants. Moi, par exemple, j'aurais très volontiers joué cavalier G5, parce que ça oblige les noirs pour défendre le roi à faire fou prend, fou prend. Et je suis toujours content d'avoir la paire de fous. On peut imaginer tour E8, fou D2, et j'aurais travaillé avec la paire de fous. Dans la partie, les blancs, ils ont été plus précis que moi. Ben, c'est normal, ils sont plus forts. Ils ont joué fou G5. L'idée, c'est quoi? C'est que si vous prenez, et dans la partie, malheureusement, les noirs ont dû prendre, eh bien, c'est le cavalier qui finit en G5. Et le cavalier en G5, il me permet de travailler fortement sur F7 et sur H7. Alors j'ai dit, si vous prenez, je vais vous montrer ce qui se passe si je ne prends pas. Déjà, il n'est pas possible de défendre le fou E7 avec la tour. Parce qu'après, fou prend E7, tour prend E7, tour prend E7, dame prend E7, bah je vous joue un petit tour E1, attaquant la dame. La dame doit bouger. Et je joue Kg 5. Et ça devient très très compliqué pour vous de défendre le pion H7. Pour vous donner un exemple dans cette position-là, si vous essayez dame G6 pour m'empêcher d'aller en H7, bah vous perdez quand même. Je fais dame prend dame. Pion prend dame. Et je gagne ici avec cavalier prend F7. Parce que si vous prenez en F7, vous perdez votre tour après tour E8. Vous êtes cloué. Vous ne pouvez pas redescendre la tour. Le roi est obligé de partir et je gagne la tour. Donc c'est une longue variante, encore une fois, mais elle est complètement forcée. Et on ne vous demande pas de la trouver sur l'échiquier, on vous demande de comprendre que je ne peux pas jouer tour E8. Pareil, je ne peux pas jouer fou D6 en enlevant le fou. Parce que je me prends trop de pièces qui arrivent après tour E4. Ça, c'est facile à comprendre, même sans calculer. Vous voyez bien qu'il y a juste trop de pièces autour du roi noir. Par exemple, si vous essayez cavalier E5, une petite découverte sur la tour E4, bah je vous joue tour H4 menace mat, donc il n'y a pas le temps de prendre en F3. Alors, si vous faites cavalier prend F3, échec, pion prend F3, bah vous êtes embêté pour parer le mat. Donc sur tour H4, il faut jouer H6, et sur H6, bah, il ne devrait pas y avoir vraiment de surprise. On va d'abord prendre en E5 pour éviter les pions doublés. Mais ce qu'on va jouer ici ne devrait pas vous surprendre, c'est fou prend H6, le même sacrifice que dans la première partie. Et évidemment, bah vous ne pouvez pas reprendre. Reprendre, c'est perdant tout de suite, ici. Alors il y a plusieurs façons de gagner. La plus simple, sans doute, c'est dame prend H6. Je menace dame H7 mat. À vous, empêchez-moi de jouer dame H7 mat. C'est quasiment impossible, parce qu'il y a trop de pièces blanches qui tournent autour du roi. Il y a le fou qui travaille en clouant le pion F7, hein, qui permet des trucs comme ça. Il y a la dame, oups là, pardon, excusez-moi. Il y a la dame, il y a la tour, il y a absolument trop de pièces blanches autour du roi noir ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'après fou G5, on est obligé de prendre en G5, parce que sinon il y a trop de pièces qui apparaissent. Cavalier prend G5, menace H7, menace F7. H6 défend H7, et dans cette position, bah, le pion F7 est protégé par la fameuse dame qui a été en C7 tout à l'heure. Et sur H6, bah on a eu les mêmes histoires encore une fois. C'est-à-dire que H6, oui, ça défend la case H7, mais ça menace pas vraiment de prendre le cavalier G5. À cause du coup, tour E3, qui encore une fois est très précis ici, si vous mangez en G5, dans cette position, bah vous voyez que c'est toujours la même histoire. C'est des pièces blanches qui arrivent toujours en permanence. Et là, c'est terminé, vous ne pouvez pas empêcher dame H8 mat. Vous noterez l'importance du fou A2, qui en clouant le pion F7, empêche F6 pour créer une case de fuite au roi. Comme le pion F7 ne peut pas bouger, dame H8 fait mat. Donc après tour E3, ben les noirs n'ont pas pris le cavalier G5, mais ils ont perdu très vite. Ils ont joué cavalier A5,
Et il y a un joli mat thématique dans cette position-là. Je peux vous laisser le trouver. Ce sera une bonne fin de cours. C'est un petit peu tactique, mais c'est pas très difficile. Les blancs jouent et gagnent. Alors attention, il faut calculer un petit peu plus que ce que vous pensez, sans doute. Mais c'est vraiment un mat thématique. Ceux qui ont bien travaillé ce type de mat-là devraient trouver assez vite. Alors je vois que ça propose des choses, mais je ne sais pas ce que vous attendez comme réponse de ma part. Erwan et Arthur, par exemple, m'avaient proposé un coup. C'est-à-dire, vous attendez de savoir ce que je joue, sur l'échiquier vous le jouez, puis vous ne savez pas ce que va jouer l'autre. Alors Jérémy a fait mieux que vous, il a proposé deux coups. Ah, c'est génial, c'est une mise aux enchères. Christophe 3. Ben, ça part bien, mais j'ai encore des défenses. Alors, tour H3, ça fait pas mat, hein. Ça menace de faire mat. Il y a encore de la défense, hein. Je refuse l'explication mat imparable. Refusé. Je peux tout à fait parer le mat. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes sur une mauvaise piste. Ça veut juste dire que, en tant que prof, moi je suis bête et méchant. Du coup, hein. C'est-à-dire que du coup, quand je regarde votre proposition, si vous vous arrêtez à un endroit, je considère que c'est ce que vous avez vu. Si vous me dites après, oui, bah, c'est évident, j'ai ça, faut me le dire. C'est-à-dire, si vous, je regarde uniquement ce que vous me proposez. Et ce que vous me proposez, ce n'est pas vrai. C'est pas tour H3 mat, c'est pas tour H3 mat imparable, ce n'est pas vrai. C'est une bonne idée, ça menace effectivement mat, mais il y a une défense à gagner. Qui n'est pas très dur d'ailleurs. Fou E4. Alors là, je comprends pas là. Fou E4, c'est pas jouable. Donc, Ah, c'est pour me dire les défenses. Si fou E4, dame prend E4, et G6, dame prend G6. Ok, je viens de comprendre. Je peux pas te dire non à ce que tu donnes, mais c'est pas la bonne défense. Alors Jérémy est un petit peu meilleur en défense, mais Jérémy, ta variante elle marche pas encore une fois. Ah, c'est toujours pareil, hein. C'est-à-dire que du coup. Hein, vous allez compliquer des choses parce que c'est le même principe que sur le sacrifice en G6. C'est-à-dire que du coup, vous êtes confronté à une petite difficulté et à partir de là, ça part dans des caouettes monstrueuses. Vous allez partir à je sais pas où, à tenter je sais pas quoi, parce que vous n'avez pas les bases, pour citer Orelsan, du coup, simplement les bases tactiques, quoi. C'est-à-dire que là, c'est le mat le plus simple du monde. Donc effectivement, ça commence bien par Dame G6. Puis on prend G5 et tour H3. Mais ça, c'est le premier mat que vous devriez travailler. Ça, le premier mat à travailler, c'est le mat en H7. Ça s'appelle un baiser de la mort. Quand on travaille sur un mat en H7, c'est quoi qu'il faut regarder? Quelle est la case clé à regarder sur un mat en H7? Donc, la menace qu'on a tous fait, hein, des mats en H7, protégés par qui vous voulez. Quelle est la case clé pour la défense? Et pourquoi? C'est pas F7.
C'est pas F8. C'est effectivement la case E7. Quand vous travaillez sur une entrée de dame en H7, c'est toujours, toujours, toujours la case E7 qui est clé. Parce que la seule défense face à une entrée de dame en H7, c'est de prendre son roi et de courir. C'est-à-dire que A, dame H7 échec, je dois pouvoir répondre roi F8. Et pourquoi je parle de la case E7? Parce que si vous arrivez à contrôler cette case en E7, en avoir le contrôle, eh bien quand vous jouerez dame H7 échec, que le roi ira en F8, si cette case en E7 est contrôlée, vous matez avec le couloir en H8. Donc là, la défense, elle n'est pas dure, c'est tour bouge. La partie, c'est tour FC8. C'est pas très dur comme défense. Et ça mate pas. Parce que du coup, mon roi, il peut se barrer. Alors oui, c'est moche, oui, je vais me faire secouer avec des tours. Mais là, faut calculer. Parce que mon roi, je veux bien le faire courir partout si j'arrive à m'en sortir, en fait. Donc dans la partie, il y a eu plus précis que ça sur tour FC8. Il y a eu gain en un coup. Si vous avez compris cette histoire de case E7, c'est pas très dur. Donc les blancs jouent et gagnent. C'est tour 1, effectivement. Tour 1, abandon. Avec le tour 1 qui vient complètement contrôler la fuite du roi, bah, il n'y a plus rien à faire contre dame H7 et dame H8 mat. L'importance d'avoir ces bases même tactiques, en fait. Hein. Quand vous travaillez un thème tactique comme le mat en H7, c'est important de savoir que c'est la case E7. Qui, du coup, vous avez ça dans Combat de Papa aux échecs, par exemple. Et donc, pour vous montrer que c'était pas si simple, hein, si on joue tour FE8, du coup, avec les noirs, pour essayer d'empêcher tour 1 et de garder la case E7, j'anticipe la question de Monsieur la Simone. Bah par exemple, c'est une très mauvaise idée d'aller jouer dame H7, parce qu'après roi F8, le roi s'en va. Pour gagner, c'est toujours la même chose aussi, c'est tour H7 dans ces positions, toujours le même thème. Et tour H7 menace dame prend G7 mat. Alors il y a plusieurs façons de défendre. Si vous courez avec roi F8, vous perdez cette fois-ci. Vous perdez avec dame prend G7 échec, roi E7, dame prend F7, et puis je vais manger la dame en faisant mat. Et si vous défendez le pion G7 avec la dame en E5, bah le problème c'est que la dame elle avait déjà un travail du coup en C7. J'anticipe aussi les questions, hein. Je suis pas mal hein, pour anticiper les questions. Là, sur dame E5, il y a dame prend F7 échec. Alors ça vous coûte la tour H7, mais comme vous êtes hyper fort sur le mat du couloir vertical, vous allez vous rendre compte qu'il y a mat en 1. Tour E7, à quel moment tour E7, Jérémy? Tu veux dire sur tour H7, jouer tour E7 ici? Bah, dame prend mat. Bah, pour moi. Alors, si ça vous paraît après tour H7, bah, ce que je te dis. Du coup, j'ai répondu, j'ai anticipé. Dame prend G7 mat en 1. Donc, si ça vous paraît compliqué, du coup, ces thèmes-là. Pour la majorité silencieuse, tous les thèmes tactiques qu'on est en train de voir dans l'attaque sur le roi, ça n'est pas censé être plus compliqué qu'une fourchette. Je pense que tout le monde connaît le thème de la fourchette, mais que la première fois que vous avez vu des thèmes de fourchette, et avant que vous fassiez des exercices, la fourchette c'était dur pour vous. Aujourd'hui, une fourchette, normalement, vous la voyez tous à peu près tempo dans la position. Tous les thèmes de maths là qu'on voit là, ils se travaillent, hein. Ils s'apprennent, ils se travaillent, il n'y en a pas tant que ça, il doit y en avoir une petite quinzaine de thèmes de maths à connaître, et c'est un peu toujours les mêmes qui reviennent. Et une fois qu'on les a travaillés avec des exercices et qu'on les a vus plusieurs fois, c'est vraiment pas dur. On avait fait ça il y a 3-4 ans au club. Patrick se souviendra de Pillsbury, du coup. Le bouquin 1001 exos tactiques, c'est qui a écrit ça? Ems? Noon? J'aurais dit Ems, du coup. Ok, il peut être bien aussi, il y a des exercices de maths dans pas mal de bouquins de tactique, effectivement. Mais du coup, le message, c'est que. Toujours le même, hein, je vous l'ai sorti en début d'année, je vous sortirai. Tout le temps, à chaque fois, hein, c'est que, évidemment, votre niveau tactique, il va influencer votre niveau de jeu. C'est-à-dire que plus vous êtes à l'aise en tactique, plus ce sera facile. Et la tactique, c'est quelque chose qui se travaille. Vous avez encore quelques supports de cours dans l'intranet. Patrick me confirme pour le Pillsbury. Mais vous avez également plein de trucs dans des bouquins de tactique. Enfin, vous n'avez pas forcément fondamentalement besoin de moi pour travailler ça. Et faites de la tactique intelligente. Laissez tomber la tactique chess tempo. On vous apprend que uniquement à manger des pièces.
Et effectivement, j'ai dû dire plusieurs fois la tactique pour qu'on me propose, hein, c'est pas automatique. Du coup, je m'arrête là pour du coup, ce cours-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que avoir le pion isolé, c'est pas si dur que ça à jouer. En fait, vous devez travailler sur vos meilleures pièces. Donc ça veut dire qu'il vous faut des pièces, hein. Vous avez mine de rien pas mal de conséquences à tirer de ce cours-là. Si quand vous avez un pion isolé, vous commencez à échanger toutes les pièces, vous n'avez pas compris. Vous devez garder les pièces quand vous avez un pion isolé. Et vous devez garder les pièces de manière à ce qu'elles soient meilleures, vos pièces, que celles de l'autre. Commencez pas à refuser les échanges en me ramenant les pièces à la maison, par exemple. Ça va pas servir à quelque chose, ça. Il faut garder les pièces, faire en sorte qu'elles soient meilleures que celles de l'autre. Et il y a deux plans. Plan numéro 1, barbare, c'est d'aller mater, en emmenant toutes ces pièces. Pensez au rooklift. Et le deuxième plan, un petit peu plus subtil, c'est de pousser le pion au moment où il y a des faiblesses dans la position des pièces de l'autre. Là, c'est assez clair, c'est le coup B5 qui est l'élément déclencheur. B5, il y a des pièces en l'air. Élément déclencheur, mon adversaire a des problèmes avec ses pièces, je peux me permettre de jouer D5. Et d'ailleurs, on a fini avec un mat sur le roi noir quand même. J'espère que c'est à peu près clair pour ce cours sur le pion isolé. En tout cas, sur comment jouer avec le pion isolé. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Pour Arthur, c'est majoritairement le cas avec un pion isolé D, oui. C'est-à-dire que dans le cas d'un pion E isolé, les choses vont être naturellement différentes. Pour que tu aies un pion isolé, il faut que tu aies des colonnes ouvertes, en fait. Donc si tu prends le cas d'un pion E isolé, qui est quand même assez rare, tu vas avoir la colonne F d'ouverte, typiquement avec les blancs. Donc tu vas de toi-même trouver qu'il faut travailler sur le fait de mater le roi noir, parce qu'avec la colonne F ouverte, tu vas en profiter. Je dirais qu'on parle souvent de pion D isolé, parce que c'est le moins naturel pour vous. Je te dis, si tu ouvres le pion, la colonne F, tu vas même pas me poser la question. Je pense que dans ta partie, tu vas tout de suite aller profiter de la colonne F ouverte. Donc globalement, c'est à peu près les mêmes choses dans le cas d'un pion E isolé, mais par contre, pour répondre précisément à ta question, ça concerne effectivement des pions centraux. Ce que j'ai dit ne s'applique pas à un pion C isolé, un pion B ou un pion A. C'est vraiment pion centraux. Et dans l'immense majorité des cas, ce sera un pion D. Donc j'espère que j'ai répondu du coup, Arthur. Alors j'attends la confirmation d'Arthur. Je vais répondre à la question de Jérémy du coup. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le statique dynamique à 6 B5. C'est juste qu'au moment où tu joues B5, si tu veux parler statique dynamique, tu as des faiblesses dynamiques. C'est-à-dire qu'au moment où tu joues B5, là, dynamiquement, tu as un problème. C'est plutôt une question d'opportunité. Et c'est pour ça qu'on va jouer dynamique avec D5, avec les blancs, pour essayer de prendre l'avantage tout de suite. Parce que c'est plutôt une opportunité tactique. Je sais pas si je réponds tout à fait à la question. À 6 B5, c'est très bon si c'est jouable avec les noirs, hein. Si je peux jouer fou B7, c'est tout à fait ok. Mais c'est juste que ça me donne des options pour ouvrir la position, pour travailler. Tu vois, par exemple, grâce au pion B5, j'ai une option qui est A4, qui est un grand principe dans ces positions-là, que j'aurais pas eu si t'avais le pion en B6. En fait, j'ai des moyens de mettre des points de tension, d'embêter le monde, de poser des problèmes parce que t'as joué A6 B5 à ce moment-là. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec est-ce que A6 ou B5 c'est bien dans la position ou pas. C'est juste qu'au moment où tu joues B5, tes pièces sont pas protégées en l'air. Et donc, je peux en profiter tout de suite. J'espère que c'est clair ma réponse. Ok. Et la blonde, du coup, il y avait une question? Ou les autres, hein, s'il y en a d'autres, hein, je réponds. Je pense pas que la Fédé s'intéresse à des petits joueurs comme moi. À la Fédé, il faut mettre maître international, maître FIDE devant, hein, parce que ça claque plus, hein, quand même. Hein, du coup. Et puis moi, j'aurais pas la patience de discuter avec Sylvain. Donc, y a peu de chances que je fasse ça au niveau de la Fédé, pour être tout à fait honnête. Je finirai avec un dernier truc avant de vous lâcher, c'est que dans les supports de cours accessibles par mail, hein, pour ceux qui demandent, je mets toujours des parties en plus que ce qu'on a vu. Parce que ben, ce genre d'exercice, là, si vous avez compris l'idée, c'est très bien, mais plus vous allez voir de parties qui vous montrent ça, mieux ça va rentrer. Du coup. Et donc, ben, évidemment, plus vous allez voir de parties sur ce type de manœuvre avec le pion isolé,
plus vous allez comprendre que c'est toujours la même chose. Et si on est bon, du coup, quoi de mieux pour terminer un petit stream que de dire du mal de quelqu'un? Quel livre tu conseilles pour vraiment progresser aux échecs? Ça dépend. Ça va être dur de répondre au tempo à cette question. La réponse, ça dépend de ton niveau en fait. Sans avoir une idée de ton niveau, c'est difficile. C'est même très difficile sans avoir une idée de ton niveau. J'ai presque envie de te dire n'importe quel livre du moment qu'il est travaillé. Si c'est un bouquin que t'emmènes avec toi, que tu lis le soir avant de dormir, ça marchera pas. Si c'est un bouquin sur lequel tu vas travailler sur un échiquier, sur lequel tu vas investir vraiment du temps sur les parties, sur lequel tu vas essayer de te mettre à la place du joueur, chercher, n'importe quel bouquin fera l'affaire. Mais pour répondre, pour t'aider à trier un peu, un bouquin avec des parties complètes et commentées. Si tu sais pas trop où tu vas, prends pas un bouquin spécifique, prends un bouquin qui va être un recueil de parties. Alors je vais reprendre la question de Jérémy après, mais un bouquin oui, qui contient des parties complètes, du coup. Bonsoir à ceux qui nous quittent, moi je reste pour les questions. La partie d'avant, alors ça va être celle-là quand même, après fou prend D5, donc tu veux dire ici. Du coup sans doute. N'ont pas vu au roi B7 qui défendait le cavalier et sortait l'item de fourchette qui arrivait après. Ou alors tu parlais vraiment de la partie d'avant. Donc je vais essayer de revenir. Alors là, il n'y a pas de roi B7, de choses comme ça. Ah, tu veux dire roi G2, sans doute ici, c'est ça? Tu dois inverser du coup. Mais roi G2 ici, t'as un problème immédiat. Tu me confirmes que c'est bien cette position-là dont tu parlais? Salut Jean-Luc. Et puis salut Alain, salut tout le monde. Ouais, donc on est d'accord sur roi G2, hein, du coup, Jérémy, il y a un petit décalage, ça doit pas être en direct tout de suite. Donc, mais là, si je te laisse la position, normalement tu vas voir assez vite qu'il y a un problème. Parce que t'as le même thème de fourchette, mais qui apparaît pas sur la case E1, mais qui apparaît sur la case E5 en fait. Le fait de t'auto-mettre en clouage, ça va te poser un problème. Là, il y a deux coups qui gagnent, il y a cavalier E5 direct. Alors d'ailleurs, j'ai des bêtises, moi aussi je fatigue. Cavalier E5 gagne pas, il y a tour prend fou. Donc ok, il n'y a pas deux coups qui gagnent, faut que tu joues impérativement. Pardon, fou prend F3 et la fourchette comme ça. Et ok, cavalier prend tout au prochain. Est-ce que j'ai répondu du coup sur pourquoi roi G2 ne fonctionne pas? Est-ce que nous sommes bons, messieurs, dames? Alors, on se verra pas jeudi. C'est vrai que j'ai pas annoncé, mais il n'y aura pas de tournoi jeudi. Mail, enfin, en tout cas, pas de tournoi club. Je ferai un mail dessus. Non, trop de travail organisé et ça m'agace de voir des gens râler dans le chat. Donc du coup, je laisse l'organisation. Mais il y a un tournoi League qui est organisé, donc vous irez jouer avec la League pour ceux qui veulent. Mais du coup, je fatigue. Donc je change de technique. Ben on est bon, je coupe là, du coup. Et puis je vous dis à vendredi pour le cours ou à samedi matin pour le tournoi. À bientôt.